Windows 10. Donc, alors, je fais une vidéo éventuellement pour aider ceux qui ont le même problème ou se posent la même question que moi, que je me suis posé. Alors, par rapport à, je ne vois plus mes photos, la Windows 10, je ne vois plus, je ne vois pas mes photos. Voilà, grosso modo, vous marquez, je ne vois pas mes photos Windows 10. Donc là, il y a plusieurs sites où ils en parlent. Bon, ça date un peu, c'est de 2015. Il y en a qui sont un peu plus récents. Voilà, ici c'est 2017. Mais là, si vous comptez sur Microsoft.com, Answer machin, vous n'avez pas encore fini d'attendre 3 ans que la réponse ne sera pas satisfaisante. Parce que j'y suis allé je sais pas combien de fois là-dessus pour divers problèmes, ça n'a jamais rien résolu. Voilà, donc merci Microsoft Community. Là, pareil, 2018, je ne vois pas mes photos dans les miniatures, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la même chose. Donc, il est vrai qu'on peut se poser la question. Ben, c'est tout con. C'est tout con et vraiment tout con. Alors, je ne sais pas si c'est du fait d'avoir mis Windows 10. Il me semble que oui, puisque, comme je vous ai dit, là, j'ai fait la vidéo déjà. Ce PC-là, même là, ici, j'étais sur Windows 8.1. J'ai migré vers Windows 10 il y a 3 jours. Donc je n'avais pas ce problème sur Windows 8.1, je voyais mes photos. Donc maintenant j'ai réussi à les mettre. C'est tout con. Donc je vais vous faire voir qu'on voit bien mes photos, images. Voilà, là on les voit. Vous voyez, hop, elles sont là. On les voit. Alors je pouvais les voir en double-cliquant dessus, mais je n'avais pas d'aperçu ici. Je ne voyais pas absolument pas ce que c'était comme photo. Donc à chaque fois j'étais obligé d'ouvrir, comme ça, pour regarder. Donc je vous raconte pas la merde si on avait voilà, plus de 200 photos. Donc c'est tout con. Voilà, clic droit sur ce PC, propriété, ici paramètres, système avancé, ici paramètres, et là, il faut cocher ça, afficher des miniatures au lieu d'icônes. Moi, c'était enlevé. Donc est-ce que c'est à cause de Windows 10 que ça a migré, que ça me l'a enlevé? En tout cas, moi, c'est sûr et certain que je l'ai mis puisque je connaissais ça. Mais j'ai pas tilté sur le coup là-dessus. Donc, si je fais comme si que j'avais rien fait, j'enlève, appliquer, OK, voilà, hop, maintenant je retourne sur photo, les images, voilà, on ne voit plus ce que c'est. Donc, vous avez beau faire affichage très grand, affichage machin, que des fois ça marche, voilà, vous voyez, on ne voit plus. Tout simplement, propriété système, là, paramètres. Et vous cochez ici afficher des miniatures au lieu d'icônes. Appliquez ici et OK. Voilà, là on ferme, OK. Hop, système, on ferme. Et voilà, elles sont là. Voilà, c'est tout con, mais sur le coup, il faut y penser. Et des fois, ah ben les choses, s'ils sont vraiment cons, on n'y pense pas, on cherche plutôt. Donc, résultat pour moi, j'ai perdu 3 heures de temps à lancer un check disque et réparation fichier système, etc. Voilà. Donc, c'est un peu la honte, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, c'est comme ça. Les petites choses tout cons, on passe à côté. Alors, par contre, comme je vous certifie que je les voyais bien juste avant de migrer sur Windows 10. Et j'en profite pour vous dire que ce PC ici, je l'ai bien migré il y a 3 jours sur Windows 10, je n'ai absolument rien payé. La licence est numérique, donc ça s'est activé, on va dire entre parenthèses, tout seul. Il a juste fallu que j'aille dans l'activation et de cliquer sur activer et le serveur Microsoft a détecté ma licence et ça a été un sans faute pour moi. Voilà, ça a mis environ 2 heures. Et tout s'est bien passé. Voilà, si vous avez des questions, donc cette vidéo, c'était surtout pour les miniatures qu'on ne voit pas.